Coach, bonjour. On peut commencer par faire déjà un petit point sur l'infirmerie. Ouais. À part Anthony Roux qui suit très bien sa rééducation, tout le monde est sur le pont. Donc, Sylla de retour. Sylla is back. Ok. Vous avez déclaré samedi après le match que vous n'aviez pas un parcours de leader actuellement. Ouais. Vous avez insisté là-dessus cette semaine ? Oui, c'est vrai qu'on a fait un retour du match. Forcément, quand vous êtes mené comme à Paris, vous égalisez en dernière minute, ça a presque un goût de victoire. Mais quand c'est le contraire, c'est presque un goût de défaite. Et le fait d'avoir 5 points sur 9, c'est 7 points. Non, 5 points, c'est ça, sur 9. Une victoire de nul sur les 3 derniers matchs. C'est assez... le parcours n'est pas suffisant pour rester à cette première place, surtout avec... un rythme un peu élevé. Sur les deux derniers matchs, vous avez joué à réaction. Vous avez attendu d'être mené avant d'enclencher la machine. Mmh. Comment vous l'expliquez ? Alors moi, je pense que les deux derniers matchs ne sont pas du tout comparables. Je pense qu'à Paris, on a agi tout de suite puisqu'on a pris le match en main. On a subi un seul contre et puis un pénalty injustifié. Alors que contre Guingamp, on est mené, ils ont quand même plusieurs occasions. Et là, je trouve qu'on a été à réaction plus à Guingamp. On a fait une première mi-temps en dessous de notre niveau, dans tous les secteurs de jeu. Et on a réagi en deuxième. Mais c'est vrai que pour ce match de Guingamp-là, ça serait bien qu'on en garde les leçons. Et plutôt que de réagir, c'est bien de réagir, mais si on peut agir, c'est encore mieux. La réaction, c'est parce qu'à Paris, vous avez, même si vous avez le ballon, vous n'avez pas été très dangereux. C'est vrai, on n'avait pas été très dangereux, mais on était à l'extérieur et on n'était pas en danger non plus. Je trouve que la première mi-temps de Paris et de Guingamp ne sont pas trop comparables. Mais il faut reconnaître qu'on était mené, le point commun, c'est qu'on a été mené deux fois sur ces matchs-là. Ce week-end à Quevilly, du coup, j'imagine que c'est la victoire, sinon rien. Presque toutes les semaines, on souhaite gagner. Hein. C'est rare qu'on arrive en se disant, bon, peut-être un nul, ça serait bien. Donc. Mais par contre, c'est un moment important lorsque, après deux nuls, qu'il faut vite réagir ou agir d'entrée pour se mettre dans les meilleures dispositions. Et forcément, on va essayer, comme Quevilly, de gagner ce match-là. Parce que le souci, c'est quand même l'adversaire, il veut gagner aussi. Et ça, c'est agaçant à la fin. Et on les attendait peut-être pas aussi haut, justement, pour un promu. Oui, mais il y a quand même des promus qui sont sur la dynamique de la montée. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Donc moi, je suis pas surpris, vu ce qu'ils ont montré la saison dernière et qui reste sur la même dynamique. C'est une équipe avec de la qualité. Il y a notamment un joueur qui sort du lot, qui a été le meilleur joueur du mois en octobre. C'est Khalid Oussidibé, ouais. Qui était prêté. Ouais. Vous suivez un peu ses performances ? Bien sûr, on suit toutes les performances de nos joueurs prêtés. Et le but avec Khalid, on a bien discuté au début de saison, s'il y avait trop de concurrence au milieu de terrain, que plus important pour lui, c'était de jouer de la compétition pour continuer qu'il continue sa progression. Donc c'est important, on est très heureux qu'il joue et qu'il performe à Quevilly. On a pu lire chez nos collègues de Paris-Normandie qu'il ne jouerait pas ce week-end. Il y a un accord avec le TFC, c'est, oui. Vous pouvez le confirmer. Oui, ouais, c'est vrai. Coach, il y a quelque chose d'immuable, et on l'a vu encore sur le match face à Guingamp, c'est la volonté de jouer en permanence, de s'ouvrir, d'ouvrir le jeu, même en menant au score. C'est une philosophie que vous cultivez, et ça fait partie des consignes que vous donnez aux joueurs, alors que on aurait pu imaginer que ça allait un petit peu plus verrouiller à 10 minutes de la fin. Il faut qu'on trouve un bon équipe. Alors oui, parce qu'on s'est aperçu quand même que les meilleures victoires, c'est quand on arrivait à breaker, c'est-à-dire à faire une différence de 2 buts. Et ce troisième but était important contre Guingamp pour asseoir la victoire. Cependant, comme on a une équipe très jeune, il faut qu'on trouve le juste équilibre, la bonne maturité en voulant essayer de marquer ce troisième but qui nous met à l'abri d'un retour de l'adversaire. Mais aussi sans trop s'ouvrir et donner la possibilité à l'adversaire d'égaliser, même si Guingamp a égalisé sur un événement assez improbable. Mais ils ont eu quand même des occasions et je pense que c'est un de nos axes de progression. Lorsqu'on mène, c'est de vouloir à tout prix se mettre à l'abri, mais aussi d'être équilibré pour ne pas laisser l'adversaire avoir les possibilités de réduire le score comme c'était le cas contre Guingamp.
Nathan qui vous précédait ici nous parlait un petit peu de ce qu'il avait changé, de ce qu'il avait cherché à améliorer depuis le début de saison. Il nous a parlé du lien qui fait entre un de ses points forts, sa vitesse et sa technique. Comment vous jugez ça? On en avait déjà un peu parlé, mais il est revenu encore plus précisément là-dessus. C'est un travail spécifique que vous faites avec lui? Il y a un travail spécifique technique, mais aussi un travail spécifique mental, parce qu'on s'était aperçu, et avec lui d'ailleurs, en observant ses matchs, qu'il y avait des moments où il sortait du match. Donc il n'avait pas cette constance de concentration, d'être tout le temps dedans. Et dès le début de saison, très tôt dans la prépa, on a mis le point là-dessus, sur ses axes de progression. Et il a été réceptif et très à l'entraînement. On a cultivé ça et je trouve qu'il récolte les fruits de son travail parce qu'il est de plus en plus constant du début à la fin du match. On parlait avec Nathan aussi de son entente avec Mickaël dans le couloir droit. Oui. C'est-à-dire que c'est une vraie satisfaction pour le coup, ce couloir droit depuis le début de la saison. C'est aussi votre avis, comment vous les avez fait travailler ensemble pour qu'ils développent cette entente? Alors ça se travaille bien sûr à l'entraînement, mais au-delà du travail, il y a quand même une affinité, sportive, technique. Et on a vu tout de suite que ça matchait bien. Et quand on discutait avec Mickaël, lui, il trouve que c'est très facile de jouer avec Nathan parce que dès qu'il a le ballon, il sait ce qu'il va faire ou ce qu'il aime. Et puis Nathan, pareil, il trouve que Mickaël, c'est très facile de jouer avec lui parce que... Bon, donc il y a une connivence, je dirais, qui n'était pas préparée parce qu'il se découvre. Mais il y a vraiment une affinité technique et sportive, une bonne coordination entre eux. Et forcément, à l'entraînement, on le cultive et ça s'améliore de semaine en semaine. Moi, ce qui m'a marqué notamment, c'est la complémentarité dans leurs déplacements. Ouais. C'est quelque chose aussi sur lequel vous appuyez? Oui, bien sûr, parce qu'avoir deux joueurs qui s'entendent bien, c'est une chose, mais prévoir un peu les déplacements et l'articulation et la coordination de leurs courses et de leurs appels, ça a été un axe de travail, mais pas qu'avec eux, avec les autres aussi, mais c'est quand même une donnée importante. Vous fait réagir sur le tirage au sort de la Coupe de France hier. Oui. Vous allez à Libourne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la Coupe de France? C'est un vrai objectif. Comment vous allez la jouer? Bon, c'est pas trop exceptionnellement pour vous, parce que je suis plus centré sur Quevilly que sur la Coupe aujourd'hui. Pour résumer, c'est une compétition qui nous tient à cœur. On sait que les victoires appellent les victoires, et c'est une compétition qu'on va jouer à fond. Le tirage. On sait que s'il est bon après une qualification, et moi, pour avoir entraîné des équipes amateurs et éliminé des équipes professionnelles, forcément, on sera très, très attentif et très humble par rapport à cette compétition-là qui demande beaucoup d'humilité. Mais c'est une compétition où les joueurs, chaque fois qu'il y a un match, et puis c'est prestigieux, c'est la seule compétition qui regroupe les amateurs et les pros. Donc, je pense qu'on sera présent. Et ce sera aussi l'occasion de donner du temps de jeu à certains qu'on a peut-être moins vu, on verra. Les milieux de terrain notamment. Ouais, on verra le jour J. Déjà, on va attendre que Quevilly et voir l'état des troupes. Et puis après, on fera l'équipe la plus compétitive pour ce match-là.